Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes techniques pour vous donner la chance de booster votre spermatozoïde avec 5 méthodes naturelles sans médicaments pour concevoir un enfant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne. Il y aura au moins une vidéo chaque jeudi sur la santé ou sur le développement personnel. Alors, si tu es prêt, on y va. Salut et bienvenue, je me nomme Ousmane Touré, je suis médecin et coach en éducation sanitaire. L'infertilité du couple est devenue ces dernières années un problème de santé publique, dont l'origine peut être féminine, masculine ou mixte. L'origine masculine est incriminée dans 40% des cas. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'infertilité masculine correspond à une maladie du système reproducteur, définie par l'incapacité d'obtenir une grossesse après 12 mois ou plus de rapports sexuels réguliers non protégés. En regardant cette vidéo, j'espère que tu aimerais savoir les différents symptômes en faveur de l'infertilité masculine qui sont les suivants. L'impuissance, de la dysfonction érectile ou de l'éjaculation précoce. Sans tarder, voici les principales causes de l'infertilité chez l'homme telles que les causes organiques, hormonales, spermatiques ainsi que les causes environnementales peuvent également être à l'origine de l'infertilité chez l'homme. Ainsi, le tabagisme, l'alcool, la pollution, le stress, une mauvaise hygiène alimentaire sont également responsables de l'altération de la qualité du sperme. Enfin, voici les 5 méthodes que je t'avais promis pour booster votre spermatozoïde naturellement. 1. Adopter une alimentation équilibrée. L'alimentation joue un grand rôle dans la fertilité masculine. Pour produire un sperme sain et ainsi booster sa fécondité, il est important de faire attention au contenu de son assiette dès que le désir d'avoir un enfant s'exprime. Pour augmenter la production de sperme, il faut privilégier les aliments riches en antioxydants tels que les légumes verts, les fruits, les huiles végétales, les fruits à coque, le thé vert, le chocolat noir et les épices telles que le curcuma, gingembre, etc. Ces aliments vous protègent des agressions extérieures telles que la pollution, le stress, les rayons UV ou le tabac. Il est également conseillé de consommer des aliments riches en magnésium, vitamine B9, sélénium et zinc, ainsi que les aliments riches en oméga 3 tels que les noix, l'huile de noix, le poisson gras, etc. 2. Adapter son hygiène de vie en évitant de consommer l'alcool. Tout comme les femmes, les hommes doivent réduire leur consommation d'alcool pour mettre de leur côté toutes les chances de concevoir un enfant. En effet, les excès d'alcool engendrent un sperme de moins bonne qualité et notamment des troubles de l'érection. 3. Maintenir une bonne température corporelle. La qualité et la production des spermatozoïdes sont très sensibles à la température et aux toxines environnementales. Pour favoriser la bonne santé de vos spermatozoïdes, sachez qu'il est conseillé de les maintenir à une température inférieure à 2 degrés par rapport au reste du corps. C'est pourquoi il est important d'éviter les pantalons trop serrés, d'éviter de rester assise pendant de longues périodes avec un ordinateur portable chaud dans la région de l'aine ou de transporter un téléphone portable chaud dans votre poche. 4. Proscrire le tabac. Sans surprise, le tabac est nocif pour la fertilité car il diminue la production des spermatozoïdes. Il est donc conseillé de réduire la consommation de tabac, voire d'arrêter totalement et d'éviter le tabagisme passif. Il en est de même pour les drogues diverses et variées qui peuvent réduire la concentration de sperme. Autre facteur connu, le poids qui peut lui aussi interférer avec la fertilité, aussi bien chez la femme que chez l'homme. L'obésité, le surpoids et la maigreur ont un effet négatif sur la qualité du sperme. 5. Gérer son stress. Qui dit stress dit difficulté à concevoir. En effet, le stress interfère avec les hormones, affecte la production du sperme et réduit les chances de conception. Pratiquer une activité physique, s'initiant au yoga, à la méditation et à d'autres exercices de relaxation peut vous aider à mieux gérer votre stress.
Mon dernier conseil pour toi, améliorer votre qualité de sommeil. Dormir au moins 8 heures par jour pour booster naturellement ta fertilité. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à cliquer sur la pouce bleu. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Active la cloche de notification pour ne rien rater. Et n'oublie pas de la partager à tes amis, tes proches, etc. Dans la mesure où je vous aime, on se verra chaque jeudi pour une nouvelle vidéo. Tu sais, ta santé est ma priorité. À la prochaine.